Précédemment, dans Chain of Memories. Bonjour Jafar, bonjour Jasmine. Que vois-je? Aladdin a abandonné sa précieuse Jasmine. Aladdin, vas-y! Comment? Toi, génie, attrape-le! Bonjour Aladdin. Bonjour génie plutôt. Ah, pardonne-moi. Boum! Tu es tombé dans le panneau, Jafar. Il veut dire que tu viens de gâcher ton deuxième vœu, il ne t'en reste plus qu'un. Oh voilà un petit rat astucieux. Génie, voici mon dernier vœu. Je souhaite devenir le génie le plus puissant de l'univers. Tu pour devenir aussi puissant que tu deviennes un génie. Et donc, voici Jafar. Quel enfer! Célèbre de Jafar! Non, sans blague! C'est parti! Oui, Jasmine est saine et sauve. Et nous avons la lampe. J'aimerais être libre, mais les génies ne se décident pas. Vas-y, Al, demande-moi ce que tu souhaites vraiment. Deviens un prince et épouse cette jolie fille. Et là, le cliché Disney. Bon, c'est parti. Je souhaite que génie soit libre. Que génie soit libre, attention. Et bim, le génie est libre. Mais Al, mais et Jasmine, que vas-tu faire? Je veux lui montrer que je suis qui je suis vraiment. Voilà qui est bien parlé. Merci Sora et bonne chance. Une carte. On s'en foutait pas du tout. En cas de besoin, appelle-moi. Je pense qu'Aladdin s'en sortira très bien tout seul à présent. Waouh, merci beaucoup. Qu'y a-t-il, Dingo? C'est le château dont je vous ai parlé. Je suis sûr que je n'ai pas inventé. C'est impossible. Tout est disparu. Les pages sont blanches. Tout ce dur labeur, envolé. Oh, bonjour, personnage féminin nouveau. Il se passe des choses étranges. Peut-être que notre mémoire a été effacée. Non, plus on va monter, plus on va oublier. J'oublierai même Reiko et Kairi. Où on est allé et ce qu'on a vu. Mais on se souviendra toujours de nos amis. Quelles que soient les mésaventures, nos amitiés restent gravées en nous. Oui, tu as raison. Merci Dingo. Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Jojo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Kingdom Hearts Chain of Memories. Et donc, depuis le dernier épisode, mais attendez, avant tout, avant même que je fasse mes explications, j'ai envie de dire, générique! Voilà, donc ça c'est fait. Donc oui, on a le générique. Oui, c'est la joie, c'est la joie. Youpi, youlio, on est trop content. Bref. Donc on se retrouve après le monde d'Agrabah. Je vous le rappelle. Hein. Donc ça fait un moment que j'ai pas filmé de Kingdom Hearts. Hein. Ça fait une semaine, je crois. Oui, ça doit bien faire une semaine. Enfin bref. Je vous rappelle que dans le dernier épisode. Alors je sais plus trop ce qui s'est passé au niveau ici. Il me semble qu'il y avait un personnage qui avait peur de d'oublier le roi, Riku et tous les autres. Mais bon, Dingo est arrivé et fait t'inquiète pas, tant qu'on se souvient des amis, on les oubliera jamais, parce que c'est nos amis, quoi, c'est les personnes les plus importantes au monde. Et tout le monde est content, bref, voilà. Sinon, entre temps, j'ai gagné des niveaux, hein. Je sais pas si vous remarquez, mais j'ai gagné 4 niveaux depuis le dernier épisode. Ce qui fait que, ça a monté. Ici, ça a beaucoup monté, même. Et j'ai des cartes malus, alors. Attendez, est-ce que... Alors, il y a le soldat volant, que je veux absolument, parce que je peux recharger en me déplaçant. Et ça, c'est la joie. Change attaque normale en coup surpuissant. Oui, donc quand on fait une carte d'attaque, ça fait un fin de combo. Voilà. J'ai des cartes glacier en plus. Il me semble que même j'ai des cartes brasier. Voilà. Sauf que là c'est 15, donc je peux pas en mettre. J'ai la carte du génie qu'il faudrait que je me mette aussi, mais j'ai pas assez de PC. Ok, j'ai réussi à baisser le son, je suis trop fort. Enfin, chez moi, je veux dire. Il y a l'éther aussi, il faudrait qu'on mette.
Oui, j'utilise ce jeu, hein. Renommé jeu. On va voir le renommé, je m'en souvenais plus, ça. CJ. CJ Deck. Le K, voilà. Le CJ Deck. On va utiliser CJ Deck. Voilà. Donc, ah oui, au niveau du journal. Liste des cartes. Carte magie. Ah oui, on a la carte. J'ai gagné des cartes gravité aussi. Dégâts selon les HP de l'adversaire. Stockage de cartes. Nanana, gravité plus. Nanana. Je crois que c'est tout ici. Non, j'ai des cartes. Ah bah oui. Ah bah oui, là j'ai de tout. Hein. Carte malus. Donc, on a le soldat volant. Qui, le chargement lorsque tu te déplaces. 3 chargements. Voilà. Carte lieu. All matériel. L'utilisation de cartes objets est recommandée. Voilà. Zone de pesanteur. Les 5 heures, ils sont plutôt lents. Voilà. Et voilà, je crois que c'est tout. Et carte extra. Info carte extra. Version renforcée des cartes classiques. Elles nécessitent peu de PC, mais ne peuvent être utilisées qu'une fois par combat. Recharge impossible. Seules les cartes attaque et magie se transforment en cartes extra. Si tu veux pas d'un bonus extra, appuie sur le bouton B. Donc les cartes extra, en fait, on les débloque soit... D'ailleurs, ah oui, le symbole Mickey, que vous voyez ici. Voilà, ma cursor sur les trois. Ça signifie que vous avez fini à 100% cette partie. En fait, les cartes extra, on les débloque en combat avec des petits trucs jaunes avec les points d'expérience. Et les cartes extra, en fait, c'est des cartes surpuissantes, mais tu peux utiliser qu'une seule fois par combat. Une fois que tu l'as utilisé, tu peux plus l'utiliser, c'est fini, nawa. Mais c'est des coups surpuissants. Et j'en ai débloqué de mon côté. Bref, personnage, sans cœur. J'ai eu de nouveau sans cœur depuis. Ah oui, les feuguns noirs. Alors, violent et vénéneux, ce champignon ne doit pas être confondu avec un bolet blanc. Il paralyse sa victime avant de la sticoter. Difficile à vaincre, mais la victoire sera récompensée. Alors oui, parce que j'avais fait une vidéo bonus de mon côté, mais ça a tellement été foireux que c'était nul. Et donc, j'ai supprimé. Mais je vous montrerai ça plus tard quand on aura redébloqué la salle des fugues noires. D'ailleurs, je crois que j'en ai. Carte lieu. Et bah non, j'en ai plus. Bref, c'est parti, on va pouvoir commencer un nouveau monde, si ça aura bien monté. Alors, aujourd'hui, on va aller au Colisée de l'Olympe. On va aller retrouver Hercule. C'est parti. Cette musique est tellement belle. Regardez, un avis de population. À la population, pardon. Un avis de population. Ça veut rien dire. Ça alors. C'est une compétition. Ça s'appelle la Coupe du Colisée de l'Olympe. Ouah, merci Captain Obvious. Il s'agit d'une course d'obstacles où l'on affronte ses adversaires. Écoute un peu ça. Le grand héros Hercule participera au tournoi. Il paraît qu'il n'a jamais été battu. Ouais, ça a l'air amusant. Et s'il en s'inscrivait nous aussi? Ouais. J'étais sûr que tu dirais ça. Non, c'était pas du tout prévisible, dingo. Dès qu'il y a une compétition, tu n'as qu'une envie, y participer. Bah, c'est pas que t'as participé à 2 tournois, je crois, dans le Colisée de l'Olympe du premier jeu, mais bon. Et si on s'inscrit pas, tu vas quand même y aller, pas vrai? Oui, complètement. Oui. Oh, ce oui qui sort de nulle part, quoi. Dans ce cas, on ferait mieux de s'inscrire. Attendez, il y a autre chose. Seuls les concurrents qui... Les concurrents qui finiront l'épreuve éliminatoire pourront participer à la compétition. Oh, l'épreuve éliminatoire se déroule tout près d'ici. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Bah oui, moi je dis let's go. YOLO. Oh, bonjour Hadès. Oh là, une petite minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Hercule est un modèle de force et de vaillance. C'est le héros parfait. Ouais,
Alors comme ça, il est parfait, parfaitement énervant, oui. Mon dieu. Rien que de penser à ce minu, ça me fait bouillir. Gruz, j'enlèverai bien en enfer. Je l'enverrai bien en enfer, et pour de bon cette fois. C'est pour ça que vous m'avez engagé. Finement observé, Cloud. Bonjour, Cloud. Qui a méga la classe? Tu dois battre Hercule pendant le tournoi, et lorsque tu l'auras mis en difficulté, finis le travail, fais ça pour moi, et vous me rendrez mes souvenirs perdus comme convenu. Alors, je sais plus ce qu'il demande dans le 1, mais dans le 2, il demande à Hadès de lui rendre ses souvenirs. Tu as ma parole. Et donc, Cloud va aller éliminer Hercule, ça va être mignon. Et c'est parti, bienvenue au Colisée de l'Olympe. Donc nous on se rend... Ok, merci ma souris. Pour aller s'inscrire au tournoi pendant que Cloud va aller... Bah lui aussi participer au tournoi, hein, quoique. Pour lui éliminer Hercule. Nous on veut juste faire un tournoi tout gentil, tout mignon, pour prouver qu'on est le plus fort. Lui il veut tuer Hercule. À la demande d'Hadès quand même. Hein. C'est parti. On retrouve l'eau là, ya. Allez Mickey, montre-nous de quoi t'es capable. Boum. C'est bien Donald. Aïe. Eh ben écoutez, un level up, moi je suis pas contre. Ah oui, et j'ai aussi un... Ah ouais, la vache, et le nombre de points d'expérience d'un coup. J'ai une carte de glacier extra, ce qui est pas terrible, mais bon, on fait toujours avec, comme on dit. Allez, oups. Bon bah allez Donald. Bim. Bah merci Donald. Tu pouvais pas faire mieux, j'ai envie de dire. Eh bah écoutez, un nouveau tour, c'est génial. Coup de grâce, 3 combos à la suite. 3 cartes attack, valeurs différentes, valeur totale 10 à 15. Eh bah moi je suis pas contre. Par contre, est-ce qu'il y a pas quelque chose que j'aurais oublié? Ça. Eh ben, c'est bon. On va vider la salle, moi je dis. Hein. Allez. Ah, mais non. Toi, t'es mort. Aïe. Non, les points d'expérience grimpent vite. Hein. Et hop là. Et... Fire! Tu es mort! Tu es mort, bien sûr. Allez, vas-y, Donald! Allez, deuxième tournée. Mais t'as pas besoin de me soigner, Donald. Et... Bim, Simba! Ah, tu es nul face à mon pouvoir! Donc je vais vous montrer un petit peu... Alors, c'est... Celle-là. Voilà ce que ça donne. On fait carrément des coups de grâce d'un coup comme ça. Viens là. Viens là. J'ai dit viens là. Je vais vous montrer. C'est lui là. Voilà, comme ça c'est. Ça change pas grand chose, mais c'est toujours plus puissant quoi. Oula, le jeu il a dit oh calme-toi mon vieux. Tu fais juste un combat. C'est pas. C'est pas la foire. Par contre, en l'air, c'est plus chaud. J'ai rien dit. Oui, faire un glacier sur des monstres de petite glace. J'ai compris, moi, j'ai tout compris à la vie. Écoutez. Il a éliminé les trois. Merci Simba. T'en fais encore, frère. Hop. Et on va faire des trucs à faire dans le journal. Allez, viens là. Viens là, Donald. Voilà. Si je peux faire un... Eh ben, je vais faire un combo dingo, si je peux... si je peux y arriver. Vas-y, Donald. Bah écoutez, j'avais même pas besoin de dingo. C'est chouette. Hop. Je sens que je vais faire pas mal de level up moi ici en hors vidéo.
Ah bah bravo, merci le machin. Mon dieu, ce combo que j'ai fait. Bah vas-y, prouve-nous de quoi t'es capable, dingo. Toi tu meurs. Et tu ne reviens plus jamais. Tu vas dans les néandres de l'oubli. Toi aussi, le singe. Ouah, un singe. Bah c'est bon, on a fini. Alors qu'est-ce que je peux bien vous montrer? Est-ce qu'on va d'abord dans une salle mug? Ouais, non. Allez, on va aller dans un hall locomotif. C'est parti. Je pense que là, il devrait avoir la suite de l'histoire. Pas par là, mais là-bas. Voilà. Ouais, suite de l'histoire, mais... Vous me connaissez maintenant. Je finis d'abord les salles. Merci ma souris. Alors, je suppose que si les trucs sont en bleu, c'est parce que justement, c'est plus conseillé d'avoir des cartes combat. Mon dieu, tous ces points d'expérience. Ok, tout le monde est parti de l'autre côté pendant que moi j'ai fait Simba du mauvais côté. Wow. Parti Donald. Go, pas Donald. Dingo, t'as trop la classe par rapport à Donald. Non, je rigole, Donald. Tu as autant la classe que Dingo. Pas beaucoup de points d'expérience. Alors, encore un hall combatif. Qu'est-ce que j'ai là? Des points de vie. Hop. Et bien sûr, attaque-nous. Fais-toi plaisir. Mon dieu, tous ces points d'expérience. Là, je me fais plaisir dans cette salle. Merde. Merci. Par contre, il rapporte beaucoup de points d'expérience, le grondouillard, là, je crois qu'il s'appelle. Toi, t'es mort là-bas. Je vais aller chercher tes points d'expérience. Vas-y, dingo. Oh, il l'a touché. Il est trop fort, ce dingo. Aïe, je me suis fait toucher par un glacier plus. Oh mon dieu, je vais me soigner, moi. Et hop, soin plus. Et je l'ai mis KO en plus. Et hop, point d'expérience. Encore des HP. Aïe, 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 non, 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 non. Moi, je vais finir ce singe là-bas. Eh bien, écoute, mourrez, mourrez, et remourrez. Ok, j'ai touché le mauvais truc. Oh, juste attends. Oh, je suis trop bon. Ou pas. Point d'expérience. Que de... Que tu vois. D'accord. D'accord, si tu veux PC. Décidément, entre ma souris et mon PC. Oui, donc en fait, je touche à la souris de mon PC portable et je touche. Et là, sans faire exprès, j'ai touché au bouton Windows. Donc quoi. Je suis trop doué, hein. Donc là, je vais pouvoir vous montrer l'autre carte malus, c'est-à-dire celle-ci. En gros, voilà. Et ça, c'est le swag. Et ça, c'est le bien. Y a pas eu autant de bien depuis... Bah, depuis je ne sais quand, en fait. Et la lap. On va booster les PC. Hop. Et je vais pas me gêner pour mettre le génie. Ah ah. Ajouter des cartes. On va mettre le génie, parce que le génie, c'est... C'est le swag. Mais non, pourquoi j'ai fait retirer? Hop, ce que je veux, c'est déplacer le génie. Hop, et là, je mets le génie. Allez, hop. Alors là, il va y avoir le rondouilleur, je le sais. Mais c'est pas une raison. Vas-y, là-bas. Alors, il a quand même réussi à mettre 300 coeurs, enfin, 300 coeurs KO d'un coup. Hein. Alors que j'avais une carte niveau 0, hein. Il est très doué ce dingo. Hein. Alors je vais pas utiliser mes cartes magie, je vais utiliser le génie. Donc, foutre en plus. Je vous rappelle, le génie utilise au hasard
un sort foudre plus, un sort gravité plus ou un sort stop plus. Mourez tous autant que vous êtes. Bah écoute, Edingo, moi je dis pas non pour ceux qui viennent. Hein. J'aime pas avoir besoin de toi, Dingo. Allez, viens là. Dis donc, on va en gagner des niveaux ici, je le sens. Hein. Hop là. En plus, on a des ombres, quoi, c'est pas... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dangereux. Encore une fois, un glacier sur un sans cœur de type glace. Mourez, j'ai envie de dire. Allez, vas-y, génie. Oui, il vise le sang. Il vise l'ombre, quoi. Oui, le génie vise un sans cœur. Même si le foudre plus, il pourrait le faire pour tout le monde. Mais ça, c'est ça, ce n'est qu'un détail. Oh non, c'était nul. Aïe. Coup de barbe. Allons tuer ce sans-cœur qui est tout seul. Forever alone, j'ai envie de dire. Et je crois bien qu'on a fini. Oui. Est-ce qu'on a... Ouais, il y a des trucs ici. Un éther, c'est génial. C'est la fête, c'est la joie. C'est l'enjoie du joie. Hein. Hop. Donc, il faut une carte verte ici. Eh ben, écoutez, on va mettre la zone pesanteur. Ah mais attends, je suis en train de tilter, mais non. Non, c'est pas bon, parce que là, c'est la suite. Oui, mais c'est la suite de l'histoire plus loin. Bon, bah, on va continuer, hein. Cette fois-ci, on va aller dans une salle ésotérique. J'ai réussi, hein, vous avez vu. Allez, hop, une carte de niveau 3. Mais c'est pas vrai, mais faut que j'arrête d'appuyer sur ma souris. Mais cette fois, on va aller, excusez-moi, mais là on va aller faire la suite de l'histoire, hein. Ah mais non, c'est pas vrai. On peut pas continuer l'histoire, hein, c'est pas possible. J'ai dit. Bon, on va débloquer les salles, puisque c'est comme ça. Dans une terre d'amitié, allez hop. Je veux la suite de l'histoire. C'est si. Mais c'est pas possible. Et pour finir, on va aller dans une salle mug. Hop. Voilà. D'ailleurs, on va aller débloquer nos cartes tout de suite. Eh bien, la mug. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes comme pack de bienvenue? Nul. Nul. Alors, ouais, ça va. Ouais, nul. Alors, on va aller vendre des trucs. Hop. Voilà. Et ça va être tout pour l'instant. Alors là, c'est des cartes extra, mais ça sert à rien quand même d'en avoir en un si bas nombre. Hop. Je vais en vendre un parce que ça sert à rien d'en avoir autant. Ah, oh, j'aurais dû vendre celui à deux, mais quel débile. Et écoutez, ça va être bon. Ah mais c'est pas vrai, j'en ai marre. Mais écoutez, je suis pas contre avoir des cartes combat. Surtout des cartes... Alors nul, bien. Et bah écoutez, on est tombé sur un bon deck. Hop, on va débloquer des... Alors bien, nul. Ok, bah on a de bonnes cartes, j'ai envie de dire. Bien, nul et bien. Écoutez, on a des cartes bien et nulles. Et c'est tout. Bon, on va aller de ce pas voir s'il n'y a pas quelque chose à débloquer vu qu'apparemment je suis trop nul. C'est parti. Alors il me faut une à 7. Donc on va prendre le lieu mollasson. Bah écoutez, on va mettre les deux, hein. Et clé d'ouverture, c'est parti. Bonjour, j'ai oublié ton nom, toi. Mais d'où sortez-vous comme ça? Vous allez passer les éliminatoires? Bien sûr, et on veut concourir pour la coupe. Alors vous êtes au bon endroit.
C'est Phil, je crois, lui. Je sais plus. Mais je ne crois pas que vous ayez une chance contre Hercule. Ah, tu crois ça? Pourquoi ça? On est trop doués, nous, on est des dieux. Non, on est des... Non, pas des dieux, des pros, je crois. Non, on est de... On n'est pas des vrais héros. On est des semi-héros, je crois qu'ils disaient dans Kingdom Hearts. En deux mots. Vous êtes pas des héros, voilà. C'est ça. Tu te trompes. C'est vrai, ça fait quatre mots. Je parle pas de ça. Ah, tellement d'accord avec toi, Dingo. Comment pouvez-vous qu'on ait des héros si tu ne donnes pas notre chance? Ça te fait plier un jeu quand même que t'essayes de le prouver, Sora, mais c'est pas grave. Il a raison, Phil. Ils ont passé les éliminatoires. Ils ont le droit d'essayer. Bonjour, Hercule. C'est pas faux, Hercule. Je croyais que tu l'appelais Herc. Mais quand même. Sinon, il n'en reste plus qu'à annuler le tournoi. Ça veut dire, ouais, mais bon, fallait participer. Sinon, on est un peu seul, quoi. C'est un petit peu le problème. L'annuler? Pourquoi? Les épreuves éliminatoires du vieux Phil étaient si difficiles. Phil, tu es un sadique. Que personne d'autre n'a réussi. C'est vrai? Alors, le problème est réglé. Laissez-nous participer, le tournoi ne sera pas annulé. Qu'en dis-tu, Phil? D'accord, tu m'as bien eu. Voilà comment ça marche, gamin. Je m'appelle Sora, pas gamin. Si tu es un gamin, Sora. Là, j'ai pas peur de le dire, c'est complètement vrai. D'accord, d'accord, Sora. Puisque ton équipe et Hercule êtes les premiers concurrents... Les seuls, plutôt, pas les premiers concurrents. Faux. Bonjour, enfin, rebonjour, Cloud. Oh, il y a un nouveau concurrent, il s'appelle Cloud. Cloud a réussi les éliminatoires. Oh, j'ai même pas vu, j'ai cliqué trop vite. Ça promet d'être quelque chose. J'ai hâte que ça commence. Je ne retiendrai pas mes coups. Moi non plus, Sora. J'allais dire Sora. Il faudra d'abord me toucher. Ah, n'y voyez aucun sous-entendu. Mais ouais, j'avoue, il faudra d'abord que tu arrives à me passer. Merci mon portable. Dans les mains. Que le meilleur gagne. Oui, c'est ça. Très bien, que le spectacle commence. Mais je vais d'abord vous expliquer quelques règles. Règle numéro 1. Le premier qui termine la course d'obstacles a gagné. Règle numéro 2. En cas d'égalité, un joueur départagera les joueurs. Un combat, pas un joueur. Un combat départagera les joueurs. Voilà. Règle numéro 3. On ne peut perturber ses adversaires durant la course. Et enfin, règle numéro 4. Tous les concurrents doivent se donner à fond. Ça, c'est fait. Bon, assez bavardé. À Omar, prêt? Partez! Et c'est parti, clé conseillère. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller affronter des sans-coeur. Bah écoutez, c'est ça l'idée, hein. Alors là, je crois que c'est la terre d'amitié. Là, on a débloqué toutes les salles. Yep. Mais écoutez, je suis pas contre un bon dingo national. Hein. Il est pas mort. Hein. Ah non, c'est la salle de la magie. Alors, toi, t'es mort. On va utiliser le génie. Ah d'accord. Je viens de remarquer, mais on gagne des points en plus. Les cartes ont un truc en plus où ils sont à 8... À 8 ou à... je sais plus combien. Mais c'est bien ça, c'est trop bien. Ce qui fait que les cartes... D'accord, c'est pas ce que je voulais faire. Bah écoutez, on va... Non. Arrête de faire n'importe quoi, Sora. On va finir cette carte... cette salle-là avec la magie. Sans cœur. Mais je suis pas doué. Allez. Bon, ça va pas nous empêcher d'utiliser des cartes attaque, hein. Je comprends maintenant pourquoi nos cartes attaques étaient surpuissantes dans la salle précédente. Mais en fait, ça va tellement, on va tellement être puissant là avec nos cartes magie. Aïe aïe aïe. Toi, tu meurs. Merci. Allez. Bim. Allez, hop, génie.
Eh ben, gravité plus. Merci Skype. Décidément, je me fais déranger partout, hein, Zed. Hop, voilà. Oh, on a une salle blanche. Merci ma souris. Mais bordel, j'en ai marre de ma souris. Ça devient énervant. Merde. Mourez tous. J'ai dit mourez tous. Meurs. On va utiliser le génie, tiens. Hop. Eh ben écoute, stop plus, moi je suis pas contre. Et un petit dingo national. Eh ben vieux grouillon, je suis pas contre pour après, pour le hors vidéo. Hein. Allez hop, on enchaîne. Hein. Aïe. Non mais j'ai appuyé sur le bouton. Bah écoutez, ils sont regroupés pendant que je faisais n'importe quoi. Moi je suis pas contre. Fire. Et on va utiliser. J'ai dit on va utiliser. Bon bah ok. Tu l'auras voulu. J'utilise Simba. Et toi? Ah non mais je voulais viser le truc. Bah merci génie, c'est exactement ce que je voulais faire en plus. Oh, je vais me soigner. Bon bah les monstres ne m'attaquent pas, je ne suis pas contre. Hop, et bah, on aura bientôt un niveau de plus, j'ai envie de dire. Bim, ça c'est fait. Je crois qu'en fait on va enchaîner les trois salles. Puisque... Même pas les trois salles, les deux salles plutôt. Parce qu'on a déjà débloqué toutes les salles, autant les faire, j'ai envie de dire. Hein. Bim. Allez hop, génie. Ouais, alors génie, t'aurais pu utiliser... Hop, on va garder des Donald. Ça, c'est fait. Bah écoutez, moi, je dis... Hop, Donald, c'est parti. Glace. Ouais. Ouais, mais non, mais Donald... Hop. Je t'ai eu. On a beaucoup de coffres, j'ai l'impression. Enfin, de sales coffres. Allez. Ok, tu as voulu. Bim. Et bah ça tombe bien. Aïe. Hop. En fait, ça tombe bien que ce soit une seule magie ici. Genre, il nous envoie des pots de banane. Toi, t'es mort. On va utiliser le génie sur l'ondulière. Oh oui. Oh merci génie. Merci génie. Et level up. Vous savez quoi, on va augmenter les HP de Sora là. Parce qu'il aurait bien besoin d'un petit coup de HP. Hop. Voilà, on est déjà au niveau 19 la vache. Et bah écoutez, je crois qu'on a fini la salle. Égal à 0, bah écoutez, voilà. Hein, ce sera déjà fait pour plus tard. Même si les salles se refont, hein, si on peut dire ça comme ça. Et on va faire la salle Terre d'Amitié. Donc ça, c'est pour la dernière salle. Voilà. Ah oui, vers le grondouillard là. Ah non. Bah c'est gentil de... C'est gentil, hein. Hop, on va prendre des dingos, parce qu'on aime dingo. Bah écoutez, c'est parti. YOLO. Et voilà. Un lieu brouillant. Bah il y a 1000 points d'expérience quand même là. Ok, c'était pas fait exprès ça. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'ils ont mis une carte 0. Mon dieu, tout le nombre de sang-coeur qu'il y a là. Et hop. Et toi tu meurs.
Même pas besoin d'utiliser des cartes amitié. Et c'est parti. Et c'est là qu'il y a le bandouilleur. On va pouvoir utiliser Donald. Donald, c'est parti. Merci beaucoup, Donald. Et vas-y, Dingo. Oh, tu es un génie, Dingo. Hop. Et une carte sauvegarde. Ben, je suis pas contre, écoutez. Un tonneau ennemi. Je suis pas contre Dingo, hein. Vous allez tous mourir. Est-ce que c'est clair? Meurs. Génie, tue-le. Génie, tue-le, génie. Bon, écoutez, ça va être Dingo qui va le tuer. Oui, donc il reçoit les dégâts que quand le temps est revenu. Hein. C'est ça qui est cool avec ce truc. Hop, c'est parti. Hop. Ah. Meurs, grondouilleur. Dingo, viens me sauver. Bon bah lui il est mort, c'est déjà ça. Ah mais ça va rien changer. Oh su. Oh mais non, mais vous t'es pas derrière. Par contre, hop, voilà. J'ai le fil du casque qui me gênait. Ouais, t'aurais dû faire un foudre plus là, génie. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Encore une seule sauvegarde. Parce que c'est le bien, hein. Allez. On récupère Dingo. Bah écoutez. Bim. Il a pas éliminé beaucoup de monde là, Dingo. Hop. Là je vais aller très loin. Allez. Bon tant pis pour le point d'expérience. Je vais pas me faire avoir pour une peau de banane quand même. Voilà, ça c'est fait. Par contre j'aimerais bien, s'il vous plaît, baisser un peu le son du jeu, voilà. Enfin chez moi en tout cas. Hop. Eh hey, ouais, tu t'es fait avoir, grondouillard. Oh comment j'ai eu, y'a rien compris. Toi t'es morte. Toi t'es encore morte. Et toi t'es mort. Hop. Ah mais c'est pas possible. Faut pas vous mettre derrière quand j'utilise quand j'utilise Simba, hein, les 100 coeurs. Ils n'ont pas compris. Hein. Hop, merci de m'avoir sonné Donald. D'ailleurs oui, j'ai même pas fait gaffe à ma vie. Hein. Vas-y. Ok, ça c'était bien fait pour ma goule. Pour la peine, je vais me soigner. Voilà. Une tarte d'amitié. Et on a fini la salle, j'ai l'impression. On a des points Mog, ça c'est bien. Eh bien écoutez, des ennemis tonneaux, hein. Bim. Allez. Non, non, tu ne mourras pas. C'est moi qui te tuerai, tonneau. Alors, n'explose pas, c'est moi qui te tuerai, tonneau. Ça fait bizarre, mais bon. Alors... Oh, une carte brasier. Ah, ça, c'est bien. Écoutez... J'ai pas assez pour en mettre une. Génial. Bon, on va mettre la carte qui est demandée. Une carte 3 et moi. Voilà, hein. Je crois que on a besoin d'aller plus loin. Écoutez, on va regarder vite fait le journal. On a des, on a plein de nouvelles choses. Alors, on a âme de héros. Voilà, reçu au colisée de l'Olympe.
regain rapide après une carte break. Ok, c'est bon à savoir. Oui, non, on a des cartes lieux aussi. Ah bon? Ah oui, la salle blanche. Les champignons sont des bolets blancs. Mais que se passe-t-il si tu les aides? Voilà. On verra bien ce que ça donnera. Les sans-coeurs, les grondouillards. Hein. Sans-coeurs plutôt grassouillés, il utilise son ventre pour parer des attaques frontales. Pour éviter les tremblements de terre qu'il provoque, vaut mieux savoir sauter très haut. Oui, donc c'est ça, je le fais souvent. Alors, primate costaud. Singe sans-coeur bondissant. Agressif, il utilise tous ses membres pour frapper sa proie. Donc, ensuite, on a... Allez! Primate chippy. Singe sans cœur énervant. Elle se moque à distance et lance des pots de banane. Attention à ne pas glisser. Je pense qu'on le savait. Écoutez, bah on va... on va continuer la suite de l'histoire. Hein. C'est... Ça me paraît être une bonne idée. Oh! Une carte gravité et des points mug. Et une carte soin. Je ne suis pas contre, écoutez. J'ai quoi, combien points mug? 112. Ok, non, ça c'est pour la salle extra. Enfin, la salle. Non. Je sais même pas comment ça s'appelle cette salle en plus. Hop, une carte d'arrivée. Et c'est par là. Des points mog. Sinon, on récupère plein de points mog. Et suite de l'histoire. C'est parti, clé conseillère.